Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Yop. Sachez que j'ai dit à Yann de prendre la caméra pour parler seul, pour expliquer ce qu'il a à dire. Il a dit j'aime pas me filmer seul, là je participe au plan seulement. Enlève le god qu'il y a derrière toi là. Tu pourras. Je fais acte de présence. On a eu une idée de zinzin avec Alex. T'es ouf. Et j'étais en train de dérush le best-of et en fait je tombe sur ce plan de Camille qui pète un plomb contre Gotha. T'as osé dire, Cam, je la détruis. Ouais, je le redis, je te détruis. Y'a pas de soucis, je vais te détruire. je vais t'atomiser, je vais te laisser aucun répit, je vais te mettre que des têtes, tu vas même plus respirer, tu me verras que moi, et je vais te détruire. Oh là là, j'aurais pas aimé être à sa place. Et sauf que tout se joue mercredi là. Du coup, moi ce week-end, je uploaderai le best-of avec ce qu'elle a dit, et Gotha, il a réagi comme ça. Les gars, clipez. Et je veux même que quelqu'un, s'il vous plaît, en fasse un son au moment où je vais l'exterminer, que je mettrai le truc performance à la fin, et qu'on me verra en genre en 7-1 contre Cam. Et du coup, envoyez-nous de vos beats, quoi. Vos beats. Le son, tu sais, les remix quoi. Remix de la voix. Alors si. Non, si, vos beats. Si on a gagné. Non, vos beats. Avec un S. B-E-A-T-S. Le meilleur beat. On l'écoute. Bah, GG mec. Bravo. Tu seras dans le vlog. On dira waouh, bravo à Jonathan du 64. On vous laissera un petit délai pour le faire. On écoutera tout ça. Le meilleur, et il gagne mon t-shirt. Déjà voilà. À toi mec. Bien joué mec. Eh, stylé. Il gagne sur de qui? Le mien. Il reste plus que t-shirt. Là, il y a des giveaways à faire là. Il y a plus de XXL. Mais après le reste, bon, si c'est pas là, ça sera semaine prochaine, dans le prochain vlog. Le pseudo sera choisi, il gagnera un t-shirt. Faites-nous votre meilleur beat. Envoyez les beats. Twitch, hein, les beats. Il y a un mec qui envoie sa vraie beat. Allez, super, Andreas. Hein. Vraiment une vraie plus-value depuis qu'il est là en physique, Andreas. Choose la team. Peace out. Alors, on a juste oublié de filmer un plan, du coup, pour celui qui aura gagné. Alors, c'est à toi qui a gagné, bravo. Non, c'est pas ça, c'est il gagnera mon t-shirt, ouais. Et il va gagner une vidéo de Yann qui le remerciera et lui dira bravo pour ton beat. Ok, c'est ce que je vais faire. Non, mais tu le fais pas maintenant, c'est tu le feras au gagnant, tu diras son pseudo et tout. Ah non, gros, t'es un fou, faut que ça soit personnalisé un minimum. Mais au pire, genre, on rajoute son nom en plus après. Mais t'es trois pour qui? Salut à tous, c'est Masterclass Yann. Non, mais ça va être bravo ça. Bravo à Sanzo Music. Vraiment, ton beat c'était exceptionnel. On vous met la vidéo là du grand gagnant. Et je vais te détruire. Clipé, et je veux même que quelqu'un, s'il vous plaît, en fasse un son. La puissance. Let's go guys! Yo la team, nouvelle semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a Shaina au bureau. T'as toujours, tu te sens agressé dès que je viens te voir, ça me termine. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, là je suis en train de faire l'inventaire. En même temps, on est en train de préparer la nouvelle collection qui va arriver fin juin. Et en fait, je voulais vous dire un truc. Attends, parce que déjà, tu fais quoi là? Il y a plein de trucs partout. Bah en fait, il y a plein de trucs partout parce que vraiment, le problème c'est que vu que le site a crash, le serveur a crash et tout, et d'ailleurs, bah c'est grâce à vous, donc merci. Ouais. Je suis vraiment désolée. Bah derrière, on n'a pas géré, mais on est vraiment en train de travailler là-dessus. Et en fait, il faut que je recompte tout le stock pour être sûr que tout va bien. Effectivement, il y a des commandes qui sont même pas parvenues jusqu'à nous. Oui, il y a des gens qui ont eu des commandes en double, des trucs comme ouais, ça. Ouais, il y a eu des commandes en double, il y a eu des commandes que malheureusement j'ai dû annuler. En plus, on est au mois de mai, donc nous aussi, on est dépendant de la poste. Donc quand ils font le pont, quand, bah, par exemple aujourd'hui, c'est férié. Ouais, c'est férié, donc il y a des commandes qui peuvent pas partir alors qu'elles sont prêtes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des statuts de livraison qui sont pas mis à jour. Donc je sais que c'est un peu chaotique. On a été prêt, mais visiblement pas prêt à ce point-là. Je suis désolée. Ça signe que les gens là, ils ont tout cassé quoi. En vrai de vrai, c'est ça. Hein. Ouais, ils ont tout cassé. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Après, j'ai l'impression que bon. Bon, tout ça, ça va partir, je suppose. Mais là, il y a des trucs sympas, tu vois. Ici, là, cette colonne. Je sais pas, qui reste pas loin. Ça a l'air pas mal, ça. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est stylé de fou, ça. Trop bizarre. Ouais. Bon, après, moi, je dis ça comme ça. Ouais. C'est pas en encre gonflante. Oh, je crois que si, ouais. Bah, il reste un peu de stock, quoi. Ouais, il reste. Après, ce que vous voyez là, oui, c'est censé partir. Tout ça, ça va partir. Je m'attendais à ce qu'il y ait un crash. Ouais. J'ai quand même gardé du stock de côté au cas où. Oui, bien sûr. Et même pour le SAV, ouais, c'est normal, et tu vois. Pour le SAV, il y a des trucs qui se recoupent pas, des trucs où il y en avait assez. En fait, bah non, c'est parti. Enfin, t'étais prête pour le nombre de t-shirts qu'il y avait à vendre. Sauf que là, il y a eu tellement de gens. J'ai quand même vraiment laissé une marge et j'ai réussi à me faire bouffer la marge. Oui, non, mais là, mais fois 100, quoi. Il ouais, y avait vraiment. Y avait pour qu'un site crash, en vrai de vrai, pour qu'un site crash, c'est quelque chose, quoi. Il faut vraiment que. On a dû redémarrer les serveurs parce que même moi,
3, j'avais même pas accès au shop. Ouais, enfin, okay. De mon côté, je pouvais même pas avoir accès au shop. Alors que t'es censée être l'administratrice et que tu peux avoir prêté. C'était une première, c'est normal. Il y a des choses qu'on pouvait pas anticiper, qu'on pouvait pas savoir. Après, là, la prochaine fois, on fera mieux. Il faut du délai. C'est impossible de tout changer en un délai aussi court. Et en plus, je m'occupe de faire toute la collection et tout. Puis t'anticipes pas que pour juin, t'anticipes déjà pour l'année prochaine. Limite fin d'année. Il y a la collection qui va arriver en juin, mais je suis en train de travailler sur la collection en septembre. Mais par contre, en juin, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, voilà. T'as des trucs à montrer? Ouais, j'ai des trucs. Là, je sais pas, moi j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. J'ai des trucs à montrer, ouais. En fait, on va faire. Là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas tout, mais on va faire un ensemble hoodie jogging. Ça, en fait, ça va pas être comme ça. Je trouve que la technique correspond pas à la vibe. Tu fais des tests, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais c'est une vibe, du coup, dans ces styles de visuel. Ouais, c'est ça. Ce sera ce visuel, mais pas comme ça. Bon, là, je vous le dis direct parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup posé de questions, mais les collections sont oversize. Donc, oubliez pas, moi, par exemple, je suis à 1m70. Je porte du S, ça me taille comme un M. Et en fait, c'est juste le style de, par exemple, ça, c'est un M. Et c'est effectivement, c'est large pour un M. Mais en fait, c'est voulu. Et derrière, par exemple, il y aura écrit Shonen, etc. Du coup, la collection s'appelle Shonen. Ouais, la collection s'appelle Shonen, dessinée par Vivizama. Qu'on embrasse, qui en plus s'est occupé de la fresque ici, qui a déjà fait plein de trucs ici pour nous. Exactement. La pièce phare de la collection, ce sera. Bon, là, en fait, elle a rien. Mais tu sais, ça me fait penser dans les animés aux japonais où il y a Kenny dedans. Ils sont dans un lycée et le mec, il retourne dans le passé. Il faut que se taper, c'est des gangs et tout là. Ils portent tous des vestes comme ça, un peu street. Bon, elle est trop. Attends, mais j'aime trop le tissu. Ça sera ça le tissu du coup? Ouais, ce sera ça le tissu. Oui, il y aura des visuels dessus aussi. Il y aura des visuels dessus. Mets ta main, tu vas comprendre. Ah ouais, c'est tout doux. Ouais. Enfin, c'est doux, mais c'est pas genre de la peluche. C'est genre doux, mais en mode. Et en fait. Mais un peu sport, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment une collection qui est faite pour l'été parce que t'as des t-shirts. Okay. Mais tu sais, quand t'as froid, arrivé à 23h ou des trucs comme ça, bah tu mets ta petite veste et tout. Et c'est pas une grosse veste d'automne, quoi. Ça peut se passer début d'été. Oui, début septembre, par exemple. Ça, ce sera sur le dos de la veste. Ah ouais, putain, ça tabasse, hein. Ça, ce sera le dos d'un t-shirt. Ah, mais je suis mort, c'est incroyable. Ok, ouais, non, mais c'est carrément un délire manga de fou shonen, quoi, délire shonen. Parce que vous serez au rendez-vous, pas besoin de casser pas le site, s'il vous plaît. Ce sera une collection qui est quand même ultra limitée. Ouais, forcément, il y aura pas beaucoup de pièces, donc faudra être présent, quoi. De toute façon, on vous le tiendra au jus dans le vlog. Bon, bah, bisous, Shaina. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Du love pour Shaina en commentaire, les gars. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. En tout cas, n'oubliez pas, shonen en juin. Ça va, aimer? Ouais, ça va. Tu me fais une nouvelle coupe? J'aime trop, chaque fois qu'il vient, il a une nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle coupe, nouveau tatouage, je veux pas flex. Ah, voilà, il y a tout qui est nouveau. Il est trop frais, la chemise, j'aime trop. On va voir le derrière, regardez, il y a des petits patchs sur le jean, tu vois ça? Ça, c'est trop ma cam de jean. J'aime Butter. Trop. J'aime trop. Non, mais c'est mon frère, hein, il casse les couilles. C'est ça, Mais je suis le pitre de ce. Il arrive même pas. Non, c'est vraiment bien où il faut là. C'est son intro pour le vlog, ça. C'est tout seul. C'est tout seul. Il y a les extraterrestres en Toy Story là. C'est vraiment une marque. Tête de marque. Attends, fais voir dans le retour. Ah bah super. Ça tient tout seul, gros, ça me fume. C'est le retour des vlogs, ça y est. Allez, encore. Encore. Andreas. A few moments later. Ça a marché. Je t'ai fait la droite à un essai. Bon, lui va aller, il va aller bien se faire foutre. Ça va pas? Oh merde, attends, j'ai pas eu. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Élise? Élise, elle a coincé le truc, elle va essayer de le récupérer. Allez, lui, il va le faire. Il saute. T'es pas obligé de faire le large, là. Attends, tu fasses ça. Hein. Attends, pour être à égalité, mets-toi sur les genoux. Bah, c'est. Pourquoi tu es gay? Avec Là, c'est encore pire, t'es con? Ouais. Ok. Bah, si t'es con, ça va. Eh, t'es vraiment trop grand, toi. Est-ce que t'es grande partout? Là, c'est un Est-ce que t'es vraiment en train de demander si t'as une grosse butte? Mais c'était la subtilité de bavarde, en fait, de pas le dire. C'est marrant parce que quand t'es petit, personne te demande si t'es petit. Vas-y, Charlie, essaye. Ah, Andreas. T'es de ma mère, je suis trop petit, frère. Andreas, quand il marche. Mais ça, c'est l'escalade, c'est pour ça. Non, j'ai toujours sauté haut. Ok. Excuse-nous, bah, fin de séquence. Charlie, il a dit, j'ai toujours sauté haut, j'ai dit, mais c'est qui haut? Fin de séquence. Bon, les gars, nouvelle soirée du lundi, on va aller voir le stage. C'est le retour du jeu au ticket. Bon, on va parler tout de suite de ça. Lancer de hache, qui est un peu notre lancer de kunai, parce que ce soir, on fait des petits jeux. Peut-être la rage. Un petit jeu un peu dédié à Valo, kunai, les couteaux de jet. Et puis, c'était le gars qui s'occupe du lancer d'hache. Celui qui avait fait. Exactement, 24 heures menottées. C'est toi qui vas les encadrer aujourd'hui? C'est moi qui vais avoir le bonheur de les encadrer, ouais.
Wouah, ça a l'air incroyable. Quand il est arrivé, il a dit bah alors ils sont démenottés, ça y est. Ouais. Du coup, le jeu des pères, vous aviez bien kiffé avec Domingo et tout, mais sur un thème un peu spécial. De toute façon, la soirée ce soir, c'est thème Valo, parce que c'est qui on attend déjà, parce que on n'a même pas expliqué qui c'est. On attend quelqu'un qui joue à domicile ce soir. Et je ne parle pas de Kameto. Ah, je viens de spoiler le deuxième invité. Ce soir, on a Mel, la team, plus Kameto. C'est vu que Kamel, Mel, ça oui, fait Kamel. Merci, mon ref. Non, et du coup, c'est trop bizarre pour Mel. Elle disait qu'elle était toute stressée de passer de l'autre côté de la cape. Mais on est trop content de l'avoir. C'est trop cool. Et vous êtes archi hype pour la soirée, donc c'est trop chouette. Ensuite, curling, tennis de table, le premier vrai affrontement KCGC. Si on m'avait dit il y a quelques années que Mel, elle serait dans la team KC à cet affrontement. Détruire. Mais je pense que c'est la V1. Il y aura peut-être une V2 ou une VDF qui va s'organiser. Ce sera peut-être le petit pari de ce soir. Petit guess my yellow pour finir sur Valo. On est trop content d'avoir Kamel. C'est longtemps qu'on n'a pas eu. Et surtout, la petite Mel. Et toi, moi, Alex, qu'est-ce que t'as à nous raconter une info là? Ok, j'ai un truc. Je suis en train de taffer avec Camille, Steph et Elise sur un tournage. Oh pétard. Cet été. Incroyable. J'en dis pas plus. Incroyable. Je pense que tu peux donner une petite info comme ça chaque semaine. Ok, voilà. Pour l'instant, on taffe sur un tournage. Alors, c'est pas un tournage comme on avait fait les petits trucs à la G-Corp et tout. Le seul intel que je peux donner pour l'instant, c'est que c'est en extérieur. Ça sera 100% c'est en extérieur. Voilà. Pour l'été, etc. Cet été, restez branchés. Ouais, c'est ce que j'entends. Sur la chaîne de Gotaga YouTube, restez branchés. Ah, du coup, tout le monde se prépare. Naba, ça se met en place. Ça regarde le petit best-of en attendant. ML, ça fait quoi d'être devant la cam maintenant? 4 minutes. Je suis toute intimidée. Ah, il a l'habitude. Ah oui. Non, mais moi, je suis stressé. Mais ça va, toi? T'es photographe en chef, Shaina, maintenant? Ouais, pour Mel, juste. T'es son agent aujourd'hui? Non, juste un petit photographe personnel. Je suis mort. Et ce soir, l'arbitre. 1 minute 40. Le cœur est toujours là. On attend la sponsor, le cœur. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Quel plaisir de vous retrouver en ce nouveau lundi avec un concept que vous connaissez, que vous aimez, Outplay, mais dans un cadre très particulier parce qu'on est en famille. Je sens que je vais me faire douiller parce que là, on est 4 dans la pièce, 3 tryharders. Hein? On va vous en présenter 2 justement. Ils sont de l'autre côté du canapé. Du bruit pour votre CEO préféré. Kameto, mesdames et messieurs, il est là. Beau gosse en plus. Bah, j'allais dire, toi, t'es rayonnant. Mais frérot, bah, l'été te va bien. Forcément, à côté, Mel, la petite sœur de Gotha, mais surtout la joueuse non. d'e-sport. Mais voilà, tu la présentes de la structure. C'est ça, c'est ça, il a pas c'est compris. Ça. Mais c'est lui là. C'est lui le problème. Présente-la en tant que KCML, joueuse tu professionnelle. Présente-la toi, tu as l'air de si bien le faire. Notre dernière invitée, KCML, influenceuse merci pour de base. Pas de soucis, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, t'es joueuse professionnelle, chez Carmine Corp, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Dans quelle compétition? Deux speed, 2 minutes, je reviens. Après, on enchaîne direct par le jeu, mais continue. Désolé, je reviens. Il doit aller à l'épicerie. Mais vraiment pas du troll. Les gars, ils ont prévu un truc. En 4 ans, il m'a jamais fait ça. Tu sais que j'ai jamais vu faire ça, donc. Ouais, moi non plus, c'est pour ça. Il y a quand même un gros pourcentage de chance si on fait des probas, les gars, que ce soit un truc c'est une doigt gosse. Ouais, excusez-moi, désolé les gars. Oh non. T'as chavé. Oh, elle me fait peur. Désolé, je déteste faire ça habituellement. Je suis désolé. Oh Chambers. On en était où? Non mais mec, je l'ai fait pour toi. Je sais que t'aimes. Enfin, tu jouais beaucoup Killjoy en compète. Là, c'est vraiment moi Killjoy. Ouais, non mais attends, j'arrive pas à être sérieuse. Non mais voilà, je kiffe, il y a Mel, pour une fois il est en invité et tout, franchement, chaud. Pas mal d'efforts. On y est, le lancer de H. Bienvenue au centre d'entraînement, wow. Valorant. Oh là 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 là. Je te laisse un peu avec tout le monde, parce que même moi je préfère réécouter les consignes. Y a pas de souci. Donc du coup vous avez utilisé des H, bien sûr c'est des vrais H. Donc faites attention à les manipulants. Y a pas un monde où on explose le décor derrière. La cible elle fait 1 mètre carré, donc j'espère que vous allez quand même tirer dedans. Pas mal, c'est un point. Merci. C'est un point. De toute façon, là, ouais, alors par contre faites très attention, c'est là-bas, c'est glissant. Ok. Un peu trop haut. 0 points pour le décor. Là sur le centre. Attends, c'est la hache qui a fait le trou là-bas? Non. Si. Oh là là. Oh la dingue. Ok, bon, vas-y. Là, on passe en curling. Donc, il faut tout remettre. Je vais placer la cam par là. Le curling est posé. On n'a jamais montré notre check. On a un check, nous. C'est notre check à la prod. Quand on trouve une bonne idée ou qu'on est content. Faut que j'ai la flemme de vous tenir bien là, la cam elle est trop lourde. Les gars, j'ai besoin d'un coup de main. Ouais. Faut que je descende les boîtes. La cam elle est trop lourde pour je moi. Mais qu'est-ce que vous foutez là encore, vous en fait, à cette heure-ci? Mais moi je bosse, hein. Ouais. Moi je cherche du travail. Toi t'as déjà fait tout ton taf pour ce soir. Fais surtout attention aux boîtes, toi à la limite, pas la gueule. Voilà comment on ne fait rien dans cette boîte. Tu rigoles, moi faut que je vlog, j'ai promis à Alex de lui produire du contenu. On enlève une table, on installe 4 chaises et on met les boxes.
Si t'as un petit mot pour eux, ceux qui te soutiennent, ceux qui t'encouragent, c'est eux qui sont sur les chats de Kamel quand il y a des matchs. N'oublie pas que c'est eux qui jouent. Non, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission ce soir. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que vous suivrez nos matchs en juillet. Merci à vous une dernière fois. Bisous tout le monde. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci aux équipes. Merci à Cam qui fait son retour en plus pour les lundis. Ça nous fait plaisir d'être trop lourd. C'était Graffel. La veste Killjoy. Elle est là. J'étais mort de. Je connaissais ce happening quand t'es rentré. J'étais mort de rire quand même. Moi au début, je savais pas vraiment. Normalement, on s'est dit peut-être qu'il a vraiment eu une urgence. En fait, moi, je voulais pas faire en mode le rouleau en mode c'est un happening. Parce qu'au cas où c'est vraiment un problème, tu peux pas. Je serais trop mal senti. Ah, pourquoi on a pas fait celle-là? Trop dur. C'était niveau 4 ça. Parce qu'en fait, y'a qu'un truc où tu peux planter. Vas-y, va essayer avant qu'il range. On peut essayer encore une fois, Jonathan, ou pas? Tu te mets devant et tu mets les bras comme ça. Allez, ça va. Vas-y, Kamel, pour le vlog, fais-nous rêver. Celle-ci, en fait, tu vas venir déplier le bras et à la fin, par contre, il faut casser le poignet. Niveau 4, ça a l'air grave dur, ouais. Tu veux essayer? Oh dommage. Même geste 10 cm en arrière. Dommage. Allez, petite photo de groupe. Merci en tout cas Jonathan, ouais, c'était parfait. Tout, aucun problème, avec plaisir. 3, 2, 1, let's go. Ouais, la team, ça va ou quoi? Yann, Pierre-Louis et Élise. Ça, Steph, mon frère, ça va dormir. Ça va ou quoi, Yann, mon ami? Ça va, Alex, la meilleure Killjoy de l'histoire de Valorant. Vous pouvez faire moins de bruit, je vais bosser un peu là. Tu t'appelles? Vous pouvez faire moins de bruit, je vais te bosser. Yes, c'est un peu quoi ton prénom? Parce qu'en fait, je. C'est un peu chiant là. C'est un peu chiant ton prénom? Non, ouais, ça te va bien, un peu chiant en vrai. Hein. Ça va, Pierre-Louis? Ah non, ça va. Je commence à monter un truc et quand il arrive à 13h pour sortir, hein. Enfin, je vous renvoyer, c'est pas le bon. Pierre-Louis, il monte seul. Tous les meubles, mais là il va monter en l'air, Steph. T'as compris? Après, Steph, c'est un peu une armoire. Bon, comment elles vont l'équipe d'en face là? Viens avec ton équipe. Alors, j'ai trouvé Stéphane vachement beau. Ouais, on s'en fout. Là. Ouais, ça va, on vous dérange pas? Attendez deux secondes, c'est vraiment. C'est taf, c'est important. Parce que nous, c'est pas le taf. Bon, nous, c'est pas le taf, hein, par contre, la soirée. Tenstack, c'est pas le taf. Relatim, du coup, aujourd'hui, on part en réunion avec Steph, Élise et Camille et moi-même pour préparer le tournage qui aura lieu cet été. Je vous ai un peu teasé hier, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, là, pour l'instant, on part en réunion. C'est pas encore tout bien écrit, on sait pas exactement ce qu'on fait, donc c'est là qu'on va tout déterminer. Et à partir de là, j'en pourrai un peu plus vous en dire. C'est parti, je vous mets un petit timelapse, let's go! Bon, la team, petit point là pour qu'on parle de ce qui s'est passé cette semaine d'entraînement. Attends, on dirait pas que je suis enceinte, il y a le Kersus juste devant WAM. Ah oui, vas-y, fais-le en fait. C'est bon, les gars. Vous pouvez détailler un petit peu notre semaine d'entraînement là, tout ce qu'on a fait, les trainings et tout pour la session ce soir. Ah bah, c'est simple. Cutchy Walou. Bah, j'ai bien avancé sur le vlog, moi. Je l'ai fini là. On avait prévu des sessions, on n'a jamais réussi à se caler. En partie à cause de moi. Le seul soir où on pouvait jouer, on s'était donné rendez-vous, on avait organisé des pracs, c'était hier soir. La veille. On s'était dit ça le matin, priorité, j'ai pas pu. Donc j'ai dû cancel, et donc ça a cancel tout le monde, et les pracs aussi. Donc cette fois-là, c'est my bad. Mais tout le reste de la semaine, c'est la grosse tête de Steph le problème. Non. Si. Non, le lendemain, Andreas, tu te souviens pas? Première session d'entraînement qu'on a dit rendez-vous à 21h. On était tous sur le TS, et personne n'a joué ensemble. Non, Mel a lancé une grosse 5 stack avec Arty, Ripton et tout, sans nous en stream, et du coup on n'a pas pu s'entraîner, c'est ce qui s'est passé. Bref, c'est pas très grave, on a aucun entraînement. Et surtout en face, ils ont traîné comme never. Pierre-Louis, il leur faisait des pavés comme ça sur ce qu'ils devaient travailler et tout. Alors, c'est moi qui leur envoie. Regardez ce qu'il a envoyé, Pierre-Louis, les gars, c'est des vrais scraps. C'est un iPhone de quelle année? C'est un iPod Touch. J'espère en tout cas vraiment, au grand vraiment, qu'ils vont gagner, parce qu'avec tout le train qu'ils ont fait, ils sont favoris. S'ils perdent, si on met une map, mon dieu. Ce serait vraiment la méga honte pour eux. Parce que n'écoutez pas ce que dit Corentin. Pas équilibré, ils ont une merde. Et en fait, il dit tout le temps que c'est déséquilibré pour paraître mais oui. encore plus fort. Bon les gars, la cohésion d'équipe est catastrophique. J'avais pas vu qu'il y avait Evan. Équipe de merde. Wouah, Evan, mon stuff. Oh la dinguerie. C'est celui qui est le plus préparé, il a ramené son clavier. Déjà vu, ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est simple, qu'on s'était pas entraîné, c'était une catastrophe, que Pierre-Louis faisait des dissertations tous les soirs et tout. Et tu confirmes bien qu'on a strictement rien fait pendant une semaine. Ouais, je confirme. Attention, parce que si vous perdez alors que vous avez traîné toute une semaine et que Pierre-Louis vous a fait des dissertations tous les soirs. Une semaine t'as plus. Arrête, déjà. Deux journées. Il y en a qui prennent juste le concept au sérieux quoi. Mon responsable de contenu peut confirmer que j'ai pas eu le temps de jouer. Oui ou non? Oui, t'as pas eu le temps de jouer. Voilà. Donc, non, mais on a des excuses, tu vois. Voilà. La team compte pas sur toi, mon ref. C'est comme moi dans les. Si, un petit peu quand même. C'est pas faux ça. Non, mais. Elle a été grave nulle, je pense qu'elle nous a donné v'là les directives en mode toi tu dois t'entraîner sur ça, toi tu dois t'entraîner sur ça. Moi j'avais tout un programme de trucs. C'est le seul message qu'on a eu hier soir à 2h du mat', Pierre-Louis. Commence pas à comparer avec tes dissertations là. Dans l'après-midi, mais. Arrête.
On a des screens, Pierre-Louis. Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran. Nous oblige pas à le sortir, d'accord? Parce qu'il peut apparaître maintenant tout de suite sur l'écran au-dessus de mon doigt, le screen. Coco, il m'a montré son tel. Alors, Pierre-Louis? Alors, Pierre-Louis? Nous, l'important, c'est de divertir les viewers. Pas de tryhard, voilà, c'est tout. En fait, c'est nous la bienveillance. Eux, c'est le tryhard match. Il a des cernes tellement il a joué. Vous avez vu leur mentalité à vouloir se mettre dans la team outsider exprès pour ou cas où comme ça. Mais oh là là. Alors qu'ils sont favoris. Oh, ils sont favoris. Les gars, comme vous le savez, ce soir c'est l'émission spéciale Ten Stack. Ça y est, enfin le concept, on le concrétise. Je vais aller voir en bas parce que j'entends du bruit depuis tout à l'heure. Tu dois être à 400 DPI chez toi, je pense. Ça va les gars, vous faites quoi là? Ils sont en train de se setup pour ce soir. Ah oui, donc ça joue d'ici quoi. Ce soir, on va aller foudroyer la team Mel. Match. Bon la team, ça y est, tout le monde commence à rentrer chez soi parce que la Ten Stack c'est pour bientôt. Ce soir, on a Aimé qui va s'occuper de vlog, les gars. Ouais. T'es chaud quoi? Premier vlog, un peu stressé. Première expérience de vlogueur. Tu vas suivre du coup la team qui sera ici, donc ouais. Du coup Andreas. Andreas, Evan et Yann. Et Pierre-Louis en haut. Exactement. Et toi qui fais un peu l'entre-deux, qui va aller voir un peu les gens. Faire les interviews après match et tout. Interview après match, frère, ils vont être salés, gros. Bon, en attendant, tout le monde rentre chez soi là. Il faut train, les gars, allez. Et que ça pleurniche là sur TS. Là, ils disent plus rien, mais ça fait 20 minutes sur TS. En mode, ouais, c'est pas équilibré. Mais c'est vrai. En plus. Objectivement, tu nous déroules tous anti. J'ai pas d'avis là-dessus. Arrête, t'es un mytho. Il connaît le jeu, mais personne, il sait très bien, tu sais très bien. Je peux passer un message dans le vlog là. Quentin va te faire foutre. Parce que en gros, je lui ai dit que j'étais bronze. Et il a mis sur le chat, oh non, t'es Silver 3. Attends, qui ça? Un pote à toi? Non, mon frère. Ah. Mon petit frère. Et Gotha, il a vu le message, il a dit, Andreas, t'es Silver, un skip. Ok, l'équipe. Allez, go lancer là. Let's go. Allez. Un mois de travail intensif pour tout ça. Aven en deuxième map. Allez, l'équipe. On allez, y croit. Team, hein. Allez. Je suis sûr qu'on peut le faire, les gars. Tu peux avancer, Alex. Tu peux avancer. Bien joué. Attention, le mid, j'ai pas le mid. C'est rentré. J'ai le top, ok, mort. Y'a personne, Steph. Viens, on casse. Il y en a deux hauteurs. Flash au-dessus de toi. Wouah. Oula. Problème technique. Je peux flash pour vous, vous me dites, ça part derrière vous. Ils ont lancé, mec. Ils ont lancé, là? Ils ont lancé. Ta gueule, c'est vrai. Mais elle te trash, là. T'as du tout. Ça court sur moi. Nice. Ils vont reste. T'as TP? Je l'ai entendu. C'est pas sur moi. Je l'ai entendu. C'est dans, vers notre spawn. Ok. Bien joué, Alex. C'est quoi la suite? BG. Allez, pas besoin de jouer, dernier round, 15 secondes, pas besoin de jouer. Il est pas bon, mais. Il m'a rushé, les gars. J'ai rien pu faire. Let's go, la team, let's go. On perd de peu. J'ai envie de mourir. Non, ouais, ça va. GG, premier BO. C'était chaud, hein. Ça va, les gars? Non, non. Et en vrai, c'était chaud de fou. Ah, frère, c'est horrible. Ouais. Oh, c'était chaud. Oh, j'ai le seum en vrai quand même. C'est bon pour la suite, avoir les prochaines games. Ouais, mais... franchement, c'est close. C'est pas non plus un. Ouais, voilà. Une histoire écrasante, quoi. Tu sais que je tremble, frère. J'arrive pas à mettre mes trucs comme je voudrais jouer. T'es mal, regarde l'action de fin que je fais. Je suis vraiment dans le coin. Vous êtes tous flashés. Ouais, au lieu de faire tac, 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 je fais. Je suis content parce qu'on a mis l'ace deux fois de Gotha là. Il aura pas son ace. Rah, ils ont une bonne compo, hein. Ils ont une meilleure compo que nous, mais tranquille. On reprend, venez, ouais. On reprend direct. Vas-y, prends la diffuse. Flash long. Je suis blanc, ça a touché la bombe pour ping. Ah putain. Oh, je suis putain de touché. Je suis capturé dedans. Oh les gars, vas-y, je suis sur ça, c'est bon. Oh là 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 là. My bad. J'ai hésité, genre. Let's go, Captain VP. C'est pas vrai, je suis MVP. Let's go. Il y a eu l'arrêt là-bas. Sûrement sur la fin du BO là, sûrement sur la fin du live. En tout cas, de la dernière game peut-être. En dessous. C'est Andreas Corentin. J'arrive. Franchement, stick. Prends la bombe, Elise. Bah non, il prend pas. Bien fait, Elise. Vas-y, j'ai stressé, gros. Putain. Let's go. Ah, c'était dur sur cette map. Mel, je l'ai rendu fou toute la game. J'étais caché dans des recoins. GG les gars, oh, je suis refait. Andreas, ton écran il est allumé ou pas? GG. Je suis donc officiellement le meilleur Hussein, let's go. Je rigole, Mel. Le meilleur Hussein, il a dit. Let's go, elle l'a dit aussi, clippé. Oh le chien. Quel chien. Carrément, il sort le tel. Ouais. Débrief ou quoi la team? Petite pof des perdants. Bah nous on vient de se faire lyncher le cul et on va interviewer d'abord les gagnants. Et après on aura un petit mot de la fin tous ensemble. Vous vous êtes pas fait lyncher, c'était cool justement que ce soit serré. Ouais, petit ressenti global sur là. C'était pas équilibré du tout, ça s'est vu. Hein. Ah parce que t'étais dedans. Ah oui j'avoue, on s'est détruit. En vrai c'était trop bien. Moi je suis grave content qu'il n'y ait pas eu de stomp des deux côtés. Ouais. Et que genre c'est trop bien qu'il y ait eu 1-1 et que c'était serré. Et que même sur la dernière map il y avait quand même un monde où... On a un peu lâché mais vas-y. Il y avait quand même un monde où...
où toutes les équipes pouvaient gagner, tu vois. Là, les gars, c'était Pilou, donc Limo 3 là. Ouais. C'est comme Mel, il donnait que des coups. Ouais, voilà, IGL. Et monsieur Lace. Si vous le faites, je vous offre un Uber Eats. Ah putain, elle est top. Top elle BP. A 57. Top BP 57. Allez, 2 kills et tu manges gratos. Allez, 1 kill et tu manges gratos. Je vais t'être mais je le craque. Tu vas te faire sucer pendant je sais pas combien de temps avec ça. Bah écoute, content, content. C'est masterclass quand il le faut. Je suis trop refait. Evan, j'ai ressenti. Très déçu parce que j'étais pas à mon prime ce soir. J'ai fait que de la merde, surtout sur Haven. En vrai, heureusement qu'on l'a gagné. Mais globalement, la soirée, t'as vu que ça commence. Franchement, incroyable par contre. On a bien fait de jouer comme ça un peu. Ouais, ouais, ouais. De l'âne et tout parce que. Je suis d'accord. Vas-y, l'ambiance et tout, c'était. Non, franchement, c'était vraiment cool. Bah moi, j'ai la haine, mais franchement, j'ai tué Gotaga sur un jeu vidéo et ça, frère, ça fait plaisir. Là une ma mère gros, je pensais pas que je le ferais un jour. Job is done et on a mis une map et c'était cool. Fin des games, du coup je vais vous filmer un peu tout le rangement etc des setups qu'on a installé. Du coup petite installation pour demain, pour la soirée Street Fighter. J'ai fait un BNF de 22 000 pièces sur le stream de Gotha. Attends, de quoi? Mais non. Ah t'as pris le temps de parier avant la game? Ouais, avant la game j'ai mis 50 000 pièces. Et du coup t'as parié pour? Pour Gotha. Ouais. Oh là là, c'est terrible. Même pas pour sa propre équipe. Les affaires sont les business affaires. Business. J'ai misé 66 000. Ah ouais, t'es Gucci. J'espère qu'on pourra refaire des trucs dans le genre. Ouais, ouais, de fou. Peut-être genre sur FIFA et je vous éclate. Ouais, moi je vais coller. Call of Duty, je vous éclate. Ouais. Minecraft, je vous éclate. Multijeu, on s'entraîne sur tous les jeux, c'est bon, c'est parti. Ouais. Bon, petit mot de la fin. C'est ciao. Yo la team, il y a plein de choses à dire là. Hier soir, l'équipe Gotaga a gagné. Vous avez le seum, hein, la team Mel. On a gagné une map et à partir de là, j'ai dit les gars dans mon cœur, on a gagné. Oui. Oh, mais c'était pas un BO1, hein. Déjà c'était BO5, ça se transforme en BO3. Vous étiez bien plus fort que ce que à quoi on s'attendait. Hein. Même nous, on s'attendait pas à ça parce que Mel en fait, elle a micromanage absolument tout. Il y avait 4 personnes à micromanage à fond en mode bah Cam, là tu vas faire ça. Ouais, elle était à fond communication. Oui, ça a été super dur mais sans ça, sans ce taf là qu'elle a fait. Oui, c'était la soirée était trop bien. Franchement, la soirée était trop bien. Ouais, trop cool. Un vrai jeu d'équipe, 5v5 propre, nous c'était pareil. Jusqu'au rentail, il a pété un câble sur moi, maman, parce que j'ai pas pris sa bulldog. Non, je vais. Va chercher ma bulldog, s'il te plaît. Allô, tri, 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 derrière toi. Tri, tri. Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste un truc, Alex. Du coup, la vidéo elle est disponible, les gars, sur une des chaînes. Je sais pas si je mets sur la principale ou la secondaire encore, mais quoi qu'il arrive, c'est disponible juste ici. Deuxième chose, on est en juin. Oui. Steph, est-ce que tu me libères enfin, ça y est? Je suis libéré. Je suis libéré, les gars, je peux faire ce que je veux de ma barbe officiellement. Voilà, la dernière fois que vous la verrez un peu comme ça, bien dégueu. Et je lui ai donné un plan. Je lui ai dit, écoute, je visualise quelque chose sur toi. Ça va être pépite. Et je lui fais confiance à 600%. Et c'est du coup demain. On filme ça. Voilà, demain on filme ça. Là aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On va vous expliquer pourquoi juste après. Mais demain, je me rase. Et du coup, grosse journée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce soir. Grosse soirée Street Fighter. Faut qu'on monte un panier de basket, qu'on débarrasse la cuisine, qu'on mette un truc de punch. Il y a la déco. Il y a quoi qui va. En plus, il y a un gros truc de fou qui va arriver. Qui va arriver, mais je crois qu'elle passe pas dans l'ascenseur, donc on est dans la merde. Bref, on a une to-do list à aller ça. Comme et en bas, il y a un full décor aussi, comme Rainbow Six, genre un gros décor de fou. La déco est en install depuis ce matin 10h, et bah là, il va falloir qu'on fasse un point avec Elise sur toutes les directives, et derrière qu'on fasse une répète générale avec la technique en attendant que la déco finisse de s'installer. Mais il va falloir qu'on prépare les caméras, les lights, les jeux, vérifier la PS5, machin, faut la brancher, tout le déroulé de la soirée. Ça va être quelque chose. Voilà, donc là, il y a du taf de fou. On est sous Red Bull aujourd'hui. Sous Red Bull. Red Bull Day aujourd'hui. Ouais, du coup, les gars, ce soir, comme vous le savez, c'est la soirée Street Fighter. Et aujourd'hui, on reçoit une machine à coups de poing. On va aller voir un peu à quoi elle ressemble. Et je crois que ça va être une super grosse galère à la montée. Bon, déjà, le retour des sumos. Personne se blesse, les gars. 1, 2, 3, 3. Ok, ok pour moi, c'est pas pour vous. Je vais lever pour deux poulettes si vous voulez. Je crois que je m'attendais à mille fois pire. Nous, après, on le redressera. Tu vas relever la table. Ah, Marocain, Marocain, Kastoken. Putain, mais. Ah, vous savez, je sais la stratégie. Faut taper et jamais tendre. Voilà, c'est ça, c'est la bonne technique. Ah, mieux, c'est ça. Pour l'instant, les gars, c'est Steph qui est devant tout le monde à la G-Corp. Il a fait 876. Moi, juste derrière, je fais 850. Bon, du coup, les gars, il y en a partout. Voilà, là-bas, là, on a monté les sumos. Il va falloir les descendre, installer en bas. Il y a le panier de basket qui est à moitié, qui traîne ici. Il y en a un peu là-bas, il y en a un peu partout. Ici, on a Lélé avec la grosse machine à café. On a la table à manger qui est ici. Là, on a de la déco. Et là, du coup, bah, vous avez vu, il y a la machine à coups de poing. Pour l'instant, Steph est devant. Mais vous inquiétez pas, je vais le battre. Un plan cam ici qui, du coup, servira ce soir. Bah filmer tout simplement ici. En bas c'est comment là Steph? Va voir, c'est le bordel.
Oh, t'as tout cassé là. Oh, le 900. Putain, c'est dur. Bon, allez, Pierre-Louis, juste Pierre-Louis vite fait et go. C'est bien Pierre-Louis. Reste sur Valo, hein, lâche pas Valo Pierre-Louis. Oh là, attends, c'est trop stylé. Oh ah oui. Ouais, c'est pas fini, hein. C'est quoi un peu le thème du coup ce soir? Parce qu'on a le jeu, on sait que c'est Street Fighter, mais du coup, c'est quoi un peu l'ambiance, le mood que vous avez donné à l'équipe de déco? Un peu néon, US, c'est quand même assez street avec les petits poteaux, la petite bouchée incendie. Le truc de basket, on a dû racheter parce qu'il a été niqué la soirée avec DJ Snake. Une seconde. Ça a grave de la gueule. Et puis le petit Sakura là aussi qui est... Ah ouais, c'est trop mignon. Oh, le petit pot japonais, c'est trop mime. Et encore les gars, c'est que le début de la déco là, il est pas encore fini. Hein. Ils sont trop trop forts. C'est simple, quand on fait une déco plateau et tout, on met les moyens. Bien sûr. C'est une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Qui fait que ça, toute la journée, qui fait que ça. Et ils prennent ouais, un jour complet sur l'install de la déco. Et à chaque fois, c'est des installs de fou. Il y a eu Genshin Impact. Ils ont fait Rainbow Six, qui était... Mais ça, c'était incroyable. Les gens en commentaire étaient comme des fous là-dessus. Hein. Andreas, à Valo, je t'ai détruit, je t'ai bouffé. Si un jour tu veux en venir aux mains avec moi, regarde ce qui t'attend. Bam! À une main, cam en main. Qu'est-ce que tu vas faire, Andreas? C'est pas un ghost sur Valo, ça. Regardez-moi qui est arrivé avant tout le monde. Et même la culture et tous les musées là-bas, c'est incroyable. Étoile, toujours le frérot, toujours là à l'heure, avant tout le monde. On parle avec tout le monde, c'est vraiment le ref, hein. Ça va, mon Rayou? Ouais. T'es chaud pour ce soir? Putain, mec, trop content, hein. T'as vu que Coco, on l'a un peu mis dans ce machin. Mais en vrai, le truc qui m'a choqué, j'étais avec Squeezie, on a mangé ensemble il y a genre deux jours. Il était comment en termes d'addiction à Smash? Squeezie, Gotha et tout. Ouais, il y a Smash dans le coin, il est en mode je veux jouer à Smash, quoi. J'ai ramené ma manette. Ramener un net pour leur montrer un peu, mais en fait c'est le meilleur jeu de la Terre quand t'as le même niveau que la personne en face de toi. C'est le meilleur jeu de la Terre, tu peux pas trouver un jeu plus convivial, ouais. Et en vrai, Street s'en approche aussi. Depuis qu'ils ont mis le mode moderne et le mode un peu pour les casus, je pense que ça va rentrer dans cette catégorie là. De vas-y, on joue un peu avec un même level et tout. Mais j'avoue que je suis trop content en vrai de... Bah ce soir Street ça va être sympa, hein. Surtout que toi t'as joué un petit peu là, tu, ce que tu disais. J'ai joué, je suis vraiment faible, en plus c'est un jeu qui a un skill cap infini donc c'est chiant. Mais je connais le jeu. Et j'ai mon perso. Quoi. Ken, le perso Smash Bros, qui a été inventé dans Smash Bros, qui a été malheureusement repris dans Street, mais... ça va être trop bien. Ça va être et en plus, Étoile nous fait l'honneur de sa présence également lundi sur Master. C'est vrai. J'avais oublié. Mais c'est imperdable en vrai. Ouais, c'est win. Tu sais que Master Quiz, c'est imperdable. Bah toi surtout. Non, mais attends, la dernière fois que t'es venu, t'as gagné. J'étais trop nul. T'as perdu. C'est vrai. Non mais là, j'arrive. Bla bla bla. Ok, bla bla bla, tu vas voir. Tu vas voir que lundi... Oh attends, wow. Peut-être couper ça dans le... Ouais, ça va être coupé ça, du coup, ça va être coupé. Non mais tu peux biper parce que c'est marrant. Ok, ok. Ok, Étoile a dit un truc de fou, voilà. Oh oui, Étoile, c'est vraiment le frère. Faut que t'avances comme ça avec l'épaule, paf. Cyril Gann, il dit que c'est comme ça, paf. Tu vois, du coup, c'est ton épaule qui... C'est ton épaule qui... Oh, wesh. Pas mal. Oh, la patate. C'est la première fois que tu tapes. Ouais. Je te jure que c'est pas dégueu. Wesh. C'est quoi le bordel, là? Ouais, j'ai une patate de fourreux, frère. Rayou. Je pense que je vais faire, tu sais, genre... Doigne, envoie-nous une patate à mon cou. Allez, Doigne. Doigne, c'est les cités de France. Oula, je t'ai raté. Oh, les alors, t'as mis la force qu'il fallait, mais pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. Ah, c'est raté. J'arrive pas à... Ah, pas mal. J'avais pas tapé là où je sens qu'elle est dure. Ouais, tu fais du mou. Stéphane. Voilà. Ouais, oh le record. Let's go. Oh le record, 880. Une fois pas deux. 880 le record. Le bruit qu'elle a mis, il joue. Bonne patate, Coco. Coco, ça, franchement, je te sous-estime. Hein. Ça se voit, t'es un winner de 10 stacks, toi. Ouais, attends, j'ai fait 700 sur tapé. Voilà les monstres que vous avez créés. Bravo, Street Fighter. Déjà qu'ils vont jouer 3 heures en live. Là, maintenant, 2 heures avant le live. Pendant 2 heures, ils vont se la donner en plus. Faut savoir que je suis le meilleur actuellement. Okay. C'est pour ça que je ne joue pas ce soir. Parce que Coco, il m'a dit tout à l'heure, il vous a foudroyé tous les deux. Non, c'est un menteur. Non, vraiment, je suis monstrueux. Par contre, entre deux, il y a un vrai bail d'ego. Et c'est vrai que plus Gotha joue contre Étoile, plus Gotha a moins de chances de gagner. Mais il lâche pas l'affaire. Regardez, c'est très serré. Étoile est à droite. Oh là là, Corentin victorieux. Tu peux lui dire que c'est terminé pour lui qui doit laisser jouer Trigger. Ouais. Étoile. Ta gueule. Un commentaire sur le comportement de Corentin là. T'as regret d'être malveillant comme ça, frère. Ça va, frérot. Salut, DG, ça va bien. Et toi, frère? Ouais. Voilà. Bravo! Stylé. Je t'ai vengé, j'ai lavé les Lucas pendant cette soirée. J'ai vu sur Mario Kart. Tu t'entraînes un peu à Mario Kart, là, quand même. J'avais Lucas contre toi. Mais ouais, mais j'ai appris que vous avez triché. Si vous avez triché, vous avez fait une alliance, on l'a vu dans ton vlog. Vous êtes allé la première soirée de course. Toi et Lucas contre lui. Il l'a dit, Lucas. En plus, je l'ai battu sur un truc horrible. On fait une alliance pour niquer. Pour niquer ma masse. J'ai une banane, je protège des rouges et tout, je t'envoie rien. Et là, je vois, j'ai plus ma banane. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il fait putain, Lucas! Et en fait, il est revenu d'ailleurs. Moi, je l'ai pas vu. Et il s'est pris pile ma banane. Oui, je me suis dit. Oui, mais j'étais quand même allié.
Attends, on a fait une structure ensemble, on a un mal. Ouais, Gentlemake. Ça, best regard, fuck JLC. Ah, ouais, c'est exactement ça. C'est du buzz à prendre. Toujours du buzz à prendre. Ah, bah écoute, tu vas passer une bonne soirée, toi. T'as gagné d'avant. J'adore. Bah attends, je pense à équilibre, frère. J'ai pas lancé une game, vous avez tryhard depuis une heure. Pas tant que ça, je pense que les équipes. Non, moi j'ai joué une fois, ils sont assez un peu étoile. Deux fois de wag, au début, m'a lavé. Moi, les gars, j'ai toujours été nul à chier sur Street Fighter. Voilà, je vous le dis. J'ai fait Tekken, j'ai fait Smash. Donc, t'as une mentale. Et j'ai fait Mortal Kombat. J'ai fait Street un peu. T'as une mentale. Mais en fait, je vais vous défoncer. Ouais, ça y est. Ah, commence pas à me faire chier. Non, c'est pas à me faire chier, je vais faire mieux. Pardon, excuse-moi, Manas. Mais wesh. Mais t'as battu le record de. Oh, personne n'avait réussi à faire 900 aujourd'hui. Moi, je suis plus à l'aise avec les pieds depuis 200. Oh, je peux faire avec beaucoup mieux, GoPro. Fais gaffe à pas taper derrière, tu fais pas mal. Wouah! Attends, mais t'es beau le coup. Sid, il a fait 901, voilà. Oh, la patate de fourreau. C'est lui qui avait le record, il arrive pas à faire mieux que Sid. T'arrives pas, t'arriveras pas, Steph. C'est parti, on part sur le plateau. Coco, petite Red Bull en main, on perd pas les bases. Arrêtez de me mettre mon mauvais profil. Okay, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu pas trop de lumière, c'est pas bon. Ah, ok. Il a dit que j'étais un rayon de soleil. Ouais. C'est un peu vrai. Bah oui. En commentaire, là, il y a au moins 400 personnes qui sont d'accord. C'est vrai? Ouais. Il dit ça parce que je brille souvent à la caméra, premier degré. Je pense pas. Non. C'est vrai? Non, je disais, on met toujours du sur mon mauvais profil. Mais t'as un mauvais profil? Allez. J'apprécie. A chaque fois que je viens sur ce plateau, j'ai souffert. A chaque fois. C'est vrai. Chaque fois, j'ai souffert. Ce soir, c'est ta revanche. Ce soir, je viens au revanchard. C'est bon ça. Et je compte bien le refaire voir de toutes les couleurs. En plus, il y en a des couleurs dans le nouveau Street Fighter. Oh, que oui. Ça y est, tout le monde se met en place. Allez. Ça fait les petites stories, c'est pro. Petite soirée Street Fighter avec des jeux mixés avec DRL. Il y a des points super importants. On part sur du coup, introduction à la soirée, présentation du jeu, etc. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée. Ce soir, c'est Street Fighter 6, on est dans l'ambiance, j'espère que tout le monde va bien. On a un casting de folie, ils sont installés par équipe sur chaque canapé, mais déjà voilà, montrons un peu l'ambiance, montrons le décor. Voilà, merci, ça a bossé comme d'habitude ici pour vous proposer une bête de soirée. Et on va commencer avec le canapé de gauche, le canapé des vainqueurs. Le mec, je veux déjà du 4, ouais. Non mais en équipe, mais je sais qui est Gotaga. Je suis très content d'être avec toi, okay, mais... Tout le monde me déteste ici. Ah, vous voulez venir avec nous? Bah oui. Street Fighter, Street Fighter, château. On est ensemble, je t'attaque une frère, on est ensemble. C'est quoi? J'ai besoin de deux combattants pour c'est un bon, combat. C'est bon, j'ai vu ce que c'était. Sumo. Dici, tu veux pas il y va? Tu veux ça contre un enfant malade ou pas? Tu provoques en duel? Oh là là, Dici étoile. Ça se passe super bien, là ça va partir en sumo, c'est parti. Ça joue. Ouais, toi, t'es chaud! Lâche-la! Ne laisse pas tomber! Épisode 2 des 400 balles de Manas. Manas, on va te laisser le retirer. On va retirer dès maintenant, comme ça on va rectifier. Tant que nous, on va avancer dans la soirée, puisqu'il y a encore plein de choses. Va dans ma voiture, prends ma carte. Je vais dans ma voiture, retirer la carte. Je t'avance le retirer. Non, je veux que ce soit les 400 balles. Je vais vendre ma montre. Mais comment tu vas faire? T'as compris, même si je voulais retirer, je peux pas. J'ai pas ma carte. Comment tu vas faire du coup pour payer? Je pense que je vais vendre mon corps à la science. Ouais, pas le moment avec sa casquette. Même pas là, regarde le gros bolos. Ça va la team? Steph, t'as pas 400 balles, genre? Non, mon ref. Par contre, moi, mon ref. Tu veux bien? Si tu veux, je peux donner un petit bonbon, j'ai des sucettes là aussi. Ouais, ça m'aidera pas, mais je suis chaud pour une sucette. Je peux demander à Alice, peut-être, non? Vite fait. Ça va me frapper, frère. Ouais. Ah, c'est un bulldog, je vous le dis, c'est un bulldog. Oui. Il bouge déjà son poing, regarde. Ouais, t'es. Là, t'entends parler, j'ai juste envie de te frapper. Ouais. Elise, un jour, elle va me frapper premier dog. Bah, virez-moi. Il me vire et je dois chercher 400 balles. Je suis viré de mon bureau, moi. On repart en IRL, vous l'avez compris, une épreuve gaming, une épreuve IRL, et on y va sur un duel de basketball. Ah, et c'est Jesse qui prend la tête, hein, avec juste un panier d'avance. Mais j'ai trop grand, du coup, il prend le débat lourd. Hé, hey, ça fait quoi, là? Non, Gotha, non, pas ça. Hé, hey, oh, mais... à partir de maintenant, vous arrêtez de tricher, ok? Ça se voit, j'ai le pouce depuis 20 minutes. Mais toi aussi, je fais que répondre à ce que tu me fais. Mais c'est le peu en premier. Mais c'est passé quoi? Qui a gagné? Ah, comme j'ai l'image du petit con, tout le monde va y croire. Quel crack ce Manas, il est partout, putain. Tu veux prendre ma place? Tu veux prendre ma place ou... C'est trop bien fait. Pour un vlog dans un vlog. Tu penses quoi de Yann? Yann Barthez? Non, Yann. Ah, le monteur? Non, c'est pas le monteur des vlogs, mais... Ah, tu connais pas Yann? Si, Yann, c'est tu le... Dis, dès que tu me vois, tu fais « Oh, trop bien les vlogs, Alex, j'ai vu tel vlog Yann, et tout. » Yann, c'est le petit, il a des cheveux en mon mouton. Okay. Il était au Japon avec vous? Oui. Yann. Il se passe quoi de lui? Il est trop fort, frère. Il se passe quoi de Yann? Qui?
Andreas, c'est le gars là, la meuf. Andreas. Andreas, c'est une meuf du coup. Non. C'est un mec. Ouais. Ah oui, c'est un mec. Je connais pas Andreas alors que c'est lui qui dit trop les vidéos de GLC, etc. Moi je suis un grand fan, etc. Mais Andreas, il est trop fort. Ouais, il n'y a pas d'Andreas ici. Non mais j'ai pas compris, j'ai compris ça Andreas, je crois que tu parlais du jeu de GTA là. Ah ok. Mais voilà, vous voyez que ça passe si loin que ça. Oh, c'est fou, et t'as une mise très loin avec la TP. Attention. Faut pas perdre trop de police. Non, faut pas perdre trop de police. C'est son taxi. C'est son taxi. C'est son taxi. Ouais. Yes. C'est ton taxi. C'est ton taxi. C'est n'importe quoi. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Fais des bisous les fighters. Bonne soirée. Ça sort demain. La soirée c'était une énorme masterclass. C'était vraiment trop cool. Ça faisait vraiment bande de potes en train de jouer dans un salon, etc. C'était vraiment trop bien. Super, j'ai tout donné les gars, je vous ai dit que j'allais les pulvériser. Et lui il a trop joué, putain. Let's go, petite photo, 3, 2, 1, let's go. Merci beaucoup. Yeah. Bravo. Merci. Bravo cette soirée. Oh non, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe mon Steph? Il faut qu'on descende ça. Voilà, 150 kilos. La descente va être plus dure que la remontée, hein, je te le dis. En fait, fallait pas prouver hier soir et faire des gros 800 parce que du coup maintenant on va c'est porter. Ça, voilà. Ah. Ceux qui font plus de 800, ils doivent faire. Avec mon petit 750 max, là je vois Samich, il s'est mis dans un bourbier tout seul à être gentil. Hein. Merci beaucoup les garçons. Faut que tu vois quoi avec moi, Amy? Il faut un truc pour le master quiz. Ah ouais, je dois avoir un truc avec toi aussi, Amy. Ah ouais. Vraiment, t'as un rasoir pour moi. Pourquoi il est sur ton bureau posé là? Il est prêt à l'emploi. C'est toi qui vas me raser, hein? Chaud. Tu sais faire, hein, parce que moi je sais oui, pas faire. Je hein. me rase tous les jours. Vas-y, on voit ton truc pour le master quiz et après moi j'ai 100% confiance en toi. Faut que tu me mettes un monteur là-dessus. C'est quoi ce master flash? Ça, c'est le truc où il passe des photos. En gros, faudrait que tes monteurs ils trouvent des photos. Il y a la liste dans le doc et qu'ils fassent un rendu dans une compo 1920-1080. Et après, nous on va la display là-dedans dans une scène qui sera comme ça avec une scène 80-20, tu vois. Eh ben ça va être Evan qui va se mettre dessus. Tu auras des photos à mettre dans une compo. Chaque frame il gagne une photo et ouais. Ça passe super vite. Et on va t'envoyer la liste. Bon nous. Aïe 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 aimé. Steph, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu regardes le Domingo là? Moi j'ai changé de patron. C'est vrai, qu'est-ce qui t'arrive là? PA vient d'expliquer qu'il s'est encore cassé la clavicule. Et en fait il a un événement à Roland prévu dans 2 semaines. C'est pour du golf? Pour du tennis. Ah ok. Le jour de la finale de Roland Garros. C'est ce qu'il était en train de raconter. Et du coup il organise un petit show match. Il peut pas y participer. Et du coup il cherche quelqu'un pour le remplacer. Du coup il y a plein de gens qui ont dit que je devais aller parce que j'étais trop fort au tennis. Et il a répondu quoi? Et il a répondu que j'étais déjà prévu. Oh là 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 là, Stéphane déjà prévu. Normalement les gars, pas prévu pour remplacer PA, prévu pour un petit happening tennis. Et du coup on va peut-être y aller avec toute la G-Corp et pourquoi quoi pas le vlog. Elise m'a dit qu'elle veut mettre un t-shirt Vive Steph et tout, donc ça va être trop chouette. Ça sera fuck Steph par contre le t-shirt. Hein ça va être Vive Steph les gars, Vive Steph. F Steph. On part à Roland dans 2 dimanches les gars, on va jouer sur le Simone Mathieu. Bon Aimé tu me rases? Hein? Ouais, c'est bizarre l'ambiance là. On a revu la tech, on te rase pas, on t'épile. Avec un truc à poil à chat. Ok. Ah mais là ça va tonder fort là. Let's go, bah venez sur le lavabo non. Attends, venez on le tonde dans les toilettes des filles non. Comme ça va mettre des poils partout. Elise, ça l'a fait 0 rire. Tu veux que je commence à 5 au cas où? Au cas où quoi? Bah au cas où tu regrettes, tu trouves ça trop court ou quoi? Tu vas pas riper sur ses cheveux mais quand même. Tu fais gaffe là. Attends, c'est la tondeuse avec laquelle tu... Bah... Ok. Ah ouais, il était déjà trop, il était déjà. C'est bizarre. De se faire tondre. Ouais. Moi, j'ai aucun visage. C'est ce qu'il a aimé. Oh, ouais, ouais. Regarde, il a 2 mois de barbe. Elle est toute nulle. Non mais là, tu vas voir, il y en a beaucoup là. T'es barbeur ou directeur artistique? C'est pas désagréable. Hein. Tu m'as suraimé que t'as utilisé vraiment que pour ton visage cette tondeuse. Ouais, ouais. Bizarre le ouais, ouais. Mais... Ouais, visage, dessous de bras. Dessous de couilles. Le bengala. Un mois de barbe, il y a une touffette. Ok. À la cam, on a rien. Voilà. Vas-y, charcute-moi la gueule. Là, je vais avoir la même barbe que vous, les gars. Ouais. Non. Ouais. Si, si. Bah, un peu, ça se rapproche un peu plus de Aimé, mais Aimé, il est quand même beaucoup plus garni. Il est beau, Aimé. En plus. Il est beau. Aimé, si j'étais une meuf. Je pense que Gotaga, il aurait le temps de prendre sa retraite, que la barbe sera pas encore là, tu vois. Comment ça? Pour toi ou pour Alex? Non, pour Alex. Parce qu'il a la retraite bientôt, Corentin. Ah non, il y a le temps encore. Tu sais, les gamers, c'est genre. Les gamers, c'est 25 ans, quoi. Mais après, il avait dit qu'il voulait être acteur de film et réalisateur. Ah, ça, il y a le temps. Ouais, ça, il peut faire jusqu'à 85. Quoi, tu rigoles? Non. Ok. Ça charge du coup, c'est bon? Ouais, ouais, ça charge. J'ai l'impression que c'est mon papa qui m'apprend à me raser, c'est trop bien parce que moi j'ai aucune XP de rasage. Très bien. Ouais, c'est pas mal, non? Il me fait voir quand t'es normalement. Ouais, ah, nickel. Oh là là, papa, le beau gosse. Magazine Vogue, c'est Alex. On va aller voir la vie d'Elise. Elise, on veut une honnête réaction. Bah, c'est bien. C'est très bien. C'est GLC ou. Il y a un petit air de GLC quand même. Moi, je trouve ça, il est pas trop. Mais non, il n'y a pas d'air de GLC. Bah, il est comme ça lui aussi, il a la même barre. Oui, d'accord, mais il y a plein de gens. Ouais, GLC, fais gaffe. Tu vois, on a joué avec son trou. On peut pas faire autre chose. Alors oui, du coup, vu de dessous, c'est rigolo. Voilà les gars, ça y est, New Alex is here. Attends, je zoome un peu, je zoome sur sa beauté là.
Allez hop. Le vlog. J'en peux plus, je veux juste faire du montage moi. Non, j'ai battu étoile. Qui a fait ça? C'est une dinguerie, il fait ça. Bravo Yannou, tenez les casques. Bravo les gars, bravo. Là, tu joues là mon ref. Je suis le winner de l'équipe, je sais pas si t'es au courant. La flèche de l'équipe.